voici Jacques le facteur, tirelig-dé, une plume à son chapeau, tirelig-dé, dido. Et il va chez le prêteur, tirelig-dé, pour gager son vélo, tirelig-dé, dido. La femme du boulanger lui demande de l'argent pour le pain qu'il n'a pas payé depuis déjà un an. Et depuis, le boulanger a eu vent de l'histoire, l'a prié de décamper sans payer de pourboire. Voici Jacques devant la porte, tirelig-dé, qui hésite à sonner, tirelig-dé, dido. Il remue les feuilles mortes, tirelig-dé, avec le bout de son soulier, tirelig-dé, dido. C'est la femme du cordonnier qui les lui a donné. Elle cessait de répéter qu'il était mal chaussé. Et à ce moment-là arrive à son mari, qui de les voir tous les deux là en fut un peu contrit. Devait de l'argent à l'épicière dont il était l'amant, et puis au mari des autres qu'il avait avant. Et soudain la porte s'ouvre, tirelig-dé, sur la femme du prêteur, tirelig-dé, dido. Alors Jacques oublie ce qu'il avait à faire sur l'heure, et il part avec la femme du pauvre prêteur. Alors Jacques oublie ce qu'il avait à faire sur l'heure, et il part avec la femme du pauvre prêteur. Tirelig-dé, de la femme du prêteur, tirelig-dé, dido. La morale de l'histoire de la femme du prêteur, il n'y a pas de plus grand cœur que celui d'un facteur.